C'est la vie. Ah. Alors, comment tu vas? Ça va, chérie. Et toi? Ça va. Attends, tu sortais? Oh, je viens à peine de rentrer. Ah, d'accord. Bon, la nouvelle. De très bonnes nouvelles, ma chérie. Je te parlais de mon chéri qui est à Bruxelles, qu'il allait m'envoyer des cadeaux à travers l'œil de ses amis. Oui, tu m'as dit ça. L'ami en question est rentré. Et il y a une semaine, je suis allée le rencontrer pour récupérer les cadeaux. Mais ma chérie, quand j'ai vu le monsieur, la voiture dans laquelle il était, bien habillé, bien parfumé, mignon, sympa, il est accueillant, doux, Chamousia, je te vois venir. C'est justement pour ça que je suis là. Tiens-toi bien. Voilà. Il y a 3 jours, lui et moi, on a commencé par sortir ensemble. Chérie, le syndicat du crime a encore frappé. On frappe et on frappera toujours. Non, tu avais pas. Mais tu me connais. Et quand est-ce que j'aurai l'occasion de rencontrer ta nouvelle victime? Déjà demain, il viendra me chercher à la maison. Parce qu'il m'a dit qu'ils organisent une fête entre eux les benguistes. Donc ma chérie, après toi, venir avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux choper un gros poisson. Tu as raison, hein. Comme sur moi. Ah. Mais chérie, tu sais que mon chéri aussi est là, non? Mm-hmm. Sauf que il est parti au village la dernière fois. Okay. Je ne sais pas s'il va rentrer avant. Ma chérie, même si on se croise là-bas, tu es ma camarade, tu m'as accompagnée. Bon, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai aussi. Le syndicat un jour. Le syndicat toujours. Non, ma chérie, t'as mis le syndicat. Je vais rentrer, m'habiller et puis on va sortir. On va prendre un pot, non? Ah, on va rafraîchir la gorge. J'arrive. Vas-y, petit. Voici ton truc. Merci, mon cœur. Tu mets un peu dans la main, tu masses. Tu masses très bien. Et rassure-toi que quand tu finis de masser, là, c'est lui, tu salues en premier. Même moi, là, tu ne dois pas me toucher. Mais c'est que je peux commencer par mettre en même temps parce mais qu'il est en route. Mais ça. Écoute, ça là, ça m'empaille. C'est ce que j'ai fait au papa de mon enfant. Quand je parle d'argent là. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler d'argent même? Je fais comme ça et puis bon. L'argent coule. Oh, ma chérie. Mais attends, toi-même, pourquoi tu n'y vas pas avec nous? Oh, je veux pas de problème. Hein. Tu sais que les similaires là, ils se connaissent tous. Le papa de mon enfant, il est là-bas. Donc, je veux pas de problème. Je peux aller là-bas maintenant rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un et puis bon, bon je sais. Pardon. Tu n'as pas le temps, Coco. Par contre, j'y vais avec ma belle et je pense qu'elle doit être déjà en route. Ah, ma belle? Ah, oui, entrez. Ça doit être elle. Ah. Coco. Ça va, toi? Oui, ça va, mon cœur. Toi. Il y a quoi? Oh, le syndicat un jour. Le syndicat toujours. Mais attends, tape-moi aussi. Le syndicat un jour. Le syndicat toujours. Voilà. Hein? Tu connais? Ça, c'est mon cœur. Oui, entrez. Mon cœur. Salut, les filles. C'est pour moi. Ça va. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, depuis quand tu es rentrée du village? Village? Bébé! Je dis depuis quand tu es rentrée du village? Mais attends. Oui, allô? C'est le réseau! Je te rappelle tout de suite, même, s'il te plaît. Ah, ok, allô. La fille, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Hein? C'est le gars dont je
te parlais. Ton chéri de Bruxelles? Oui. Quel chéri? Bon, vous parlez de quoi là? Ma chérie, le monsieur qui vient de partir est le chéri de Mabel qui vit en Bruxelles. Et c'est l'ami de Olivier. Je viens même de le rencontrer. Olivier? Mais tu parles de quel Olivier? Ne me dis pas que c'est Olivier Akakbon. Hein? Oui, pourquoi tu le connais? Tu parles de lui? C'est mon fiancé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ton fiancé? Oui. Le papa de mon enfant? Pardon? Olivier et moi, on est fiancés depuis près d'un an. Quoi? Les filles!